C'est une bonne question. Ah bon? Ah bah j'espère. C'est bien, c'est une question. C'est un sujet, ce Mésdarion. C'est pareil, c'est pareil. C'est un sujet. Alors, les miracles, est-ce qu'il y a deux catégories? Qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Est-ce qu'il y a plusieurs catégories de miracles? Oui. Alors, dites-nous lesquelles. Bon. Expliquez-nous, on écoute, oui. Oui, vous êtes tellement certain. On peut faire de la magie, pour avoir un, pour, on peut pratiquer de la magie pour procéder au miracle. Oui, ou bien les jeux. Par un don, un don. Les jeux, ou l'illusion, aussi. Bon, d'accord, hein, oui. Avoir un don, c'est un miracle. D'accord. Comme Zidane. Oui, bon, d'accord. Donc, bah, oui. Il y a plus d'interprétations. C'est ça, ça bon, aussi, non? Bon, attendez, on va se calmer, parce que ça, c'est un... Bon, on va se calmer, hein. On va se calmer. À votre avis, dans la Bible ou dans le Coran, qui est-ce qui fait les miracles? C'est Dieu. C'est les prophètes. C'est Dieu. C'est les prophètes ou c'est Dieu? C'est Dieu. C'est pas l'intermédiaire. C'est Dieu. Tais-toi, Maxoum, tu fais que filmer. Par là. Alors, je réponds par la divinité de Dieu. Oui. Le Messie, en parlant des prophètes. Mais ça vient de qui? C'est Dieu. Mais putain, mais c'est pas possible, mais comment il est bête? Mais par l'intermédiaire des messagers, qui sont les prophètes. Oui. Et bien, ces prophètes, ils ont des dons. Ils ont des dons pour produire des miracles. Mais t'en fous, toi. Si Jean-Paul était là. Mais toi, t'es là pour filmer. Qu'est-ce qu'il dit, Jean-Paul, sur ces sujets? Quand il parle des miracles de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, les miracles de Jésus. Les miracles de Jésus. Ce sont les miracles du, prophète. Mais, non, mais, Jean-Paul, qui sont, c'est Dieu. Attendez, prof, moi je vais tenir la caméra. Le caméraman ne parle pas, t'as compris ça? Tais-toi. Mais moi, j'ai raison, c'est Dieu. Tais-toi. Ça vient de Dieu. C'est bon, quelqu'un peut le faire. Quelqu'un peut te dire de taire, oui, juste taire. Alors c'est Dieu et le prophète, c'est rien, tu as raison. Mais putain, mais c'est pas possible, tu fermes sa grande gueule, tu connais rien à la religion. À la religion, tais-toi. Crétin. Alors, donc, qu'est-ce que dit Jean-Paul qui n'est pas là? Quand il nous parle des miracles de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Le fait qu'il fait des miracles, ça prouve que... Va là-bas, c'est pas toi qui t'occupe de ça. Que ce prophète a des dons. Ah non, il va beaucoup plus loin que ça, Jean-Paul. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, lui, il voit de cette manière-là, c'est que par l'intermédiaire de ce messager qui est Jésus, Dieu lui envoie ses miracles. Non, il dit même pas ça. Bah, c'est comme ça qu'il voit les choses. Non, il dit, si Jésus fait des miracles, c'est qu'il est Dieu. Alors tais-toi. Putain. Non, mais c'est ce qu'il dit. Alors professeur. Non, mais... J'ai le droit de parler, ok? Waouh, c'est pas possible. Dites-lui de se taire. Là, on est dans un débat. Ça va passer sur un... Non, lui, là. C'est Christophe qui va s'occuper de le faire taire. Je peux répondre. C'est pas à moi de le faire. Oui, c'est vrai, j'ai eu coup. Tais-toi. Mais putain, mais on peut pas... Je peux pas filmer dans de bonnes... Ah, va... Dites-lui de s'asseoir là. Dis-lui, putain, Blandin. Va t'asseoir là-bas, comme tout le monde. C'est pas toi qui filme. Non, va t'asseoir. Mais moi je peux bien filmer. Oh, mais... Alors, mais c'est pas possible. On a...